Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente le petit déjeuner végétalien, vitalité et minceur. Alors, pour cela, je fais un mélange de graines de lin, amandes, graines de courge et graines de sésame toastées. Alors, j'utilise pas de poids, j'utilise uniquement des volumes. Donc, je vais à chaque fois remplir mon mixeur à café d'un volume de chacun de mes ingrédients. Je mixe bien. Bon, il est important de bien mixer surtout les graines de lin parce que comme ce sont des petites graines dures, sinon on n'arrive pas à absorber tous leurs nutriments. Voilà, je mets pareil dans le moulin à café un volume de graines de courge. Ça, c'est bon pour les prostates des messieurs. Ensuite, je mets un volume d'amandes. Et je termine avec mes graines de sésame que je mixe aussi légèrement. Voilà, je mélange tous mes ingrédients et là j'ai une préparation pour faire les petits déjeuners pendant plusieurs jours. Voilà. Alors pour un petit déjeuner, je mets 4 cuillères à soupe rase dans ma tasse. Et ensuite, je vais compléter avec des fruits, frais bien sûr.
Alors, dans mon mélange, maintenant, je vais ajouter des fruits frais. Donc, une petite banane par personne, une demi-pomme et un kiwi. Bien sûr, les quantités sont selon l'appétit de chacun. Voilà, vous pouvez choisir les fruits que vous aimez et puis vous pouvez aussi rajouter par exemple des fruits rouges. Là, j'en ai pas, j'ai oublié de les décongeler. Voilà, ensuite, je vais verser un petit peu de lait végétal. Alors, ces temps-ci, j'ai trouvé celui-ci qui est délicieux et qui a une excellente composition. Il est à base de riz, millet et noix de macadamia. Voilà, donc on en verse un petit peu la quantité que chacun souhaite. Et puis je commence toujours le petit déjeuner par un jus de citron additionné d'eau tiède, ce qui est excellent pour le foie. Ensuite, vous avez dû prendre un thé ou un café selon votre goût. Et là, vous avez un petit déjeuner qui va vous apporter absolument toute la vitalité et tous les nutriments nécessaires pour bien démarrer la journée.